YouTube, bonjour à vous, chers amis YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sly Cooper. Épisode 1, bien sûr. Premier jeu. PS2. C'est parti, les potes. La suite du coup, Let's Play, on s'était laissé rappeler. Cette porte vaudou est super blindée, ma parole. Bentley. Miss Ruby peut vraiment empêcher quiconque de rentrer. Elle s'appelle Miss Ruby. Essaie-t-elle d'empêcher quelqu'un de sortir ? Il s'appelle Miss Ruby. Donc voilà, on peut rappeler, on s'était les boss d'avant, on avait commencé le premier niveau du marécage. Et voilà. On en est là. D'ailleurs, épisode YouTube, je le mets en mine, en mille. Chronomètre, qui va pas tenir parce que j'ai plus que 6 points de batterie. Et Heidi, si on a commencé à peu près. On va monter. Enfin. Le premier fail, pas loin. Carré ou c'est rond déjà? Merde, j'ai plus. Accroché. Ah, rond. C'est rond. Chaque action, en fait, c'est rond. C'est bon. On a réussi à rentrer dans le début du niveau. On va être fier de nous. Slide ! Non ! Ok. On y retournera après pour la suite. Les bouteilles ! Les bouteilles! Mais non! Tu l'as un peu cherché? Oui. Coup d'araignée, hein. 20 niveaux pour les arachnophobes, bien sûr. C'est bon. Je sais pas si on peut éviter de se louper avec les bouteilles. Ça évitera de recommencer le niveau 6 fois. Là. Ok, je crois que j'ai pris toutes les bouteilles. On continue. En Zervardi! Pourquoi je me loupe? Il remonte de toute façon automatiquement. Let's go! On les a toutes. On va remonter dessus, easy. Je vais faire machine arrière, des trucs qui... Oh, être... Ah oui, j'avais déjà... Oh putain, mais oui, c'est vrai que je l'avais fait la dernière fois. Ah, elles ont eu. Ouais. Oup là! J'aurais pas loupé une bouteille, moi, déjà. Oh non, les moustiques. Viens. J'ai quand même peur, le moustique. Hein. Il est un peu chiant. Hein. Heureusement qu'on perd plus de vie quand on tombe dans l'eau. Hein.
Heureusement qu'on a trouvé ce petit bonus, hein, parce que sinon ça, c'était la merde. D'où ? Oui, si. Yo, Frey, tu vas bien ? Vraiment, c'est beaucoup plus fun depuis qu'on on a le truc qui nous empêche de tomber dans l'eau, quoi. Enfin, qui nous empêche de mourir si on tombe dans l'eau. On peut s'amuser à rater des sauts comme là. Oh, un claustro ? Ah ? Le bon, hein. Tu as vu ? Ces roseaux ont bougé. Ils cachent quelque chose d'énorme. Et tu ferais mieux qu'il est. D'énorme ? Comment ça ? Comment ça ? Fais peur ! Ouh, violoniste, ça va bien? Et hop! Hic! De merde! C'est bon. Allons-y. Les amis. Où allons-nous? Pété du cul. Si on arrive à prendre les bouteilles en plus du premier coup, on évitera de recommencer 10 fois le niveau. Et alors, c'est pas plus mal, hein. C'est quand même quand il monte. Hein. Non ! J'ai raté. J'ai raté de remonter, mais c'est bon. Moi, je suis pas parti. Manque une bouteille. Je veux pas qu'elle soit là, la bouteille. Heureusement que tu as trouvé le tuto natation du studio Daniel. Ça me refait, hein, depuis que j'ai vu le tuto. Hein. Ouais. Dirige après de toute façon, Joseph. 4 bouteilles. Oh shit! M'en fous! Non, attends! Attends! Non, ma bouteille! Bordel de merde, ma bouteille! Là, je suis mort, hein. Commencer pas depuis le début. Rien de s'énerver. Rien de s'énerver. Là pour bien sûr profiter. Du coup pourquoi je vais là? On m'a déjà débloqué les bouteilles, j'ai juste à speedrun comme un petit bout. Allez on speedrun. Speedrun mais à une autre façon. J'ai pas de temps. Non, avec des mobs qui sont. Quand même sur PS2 t'es vraiment une purge, clairement. Ça, c'est un peu le côté cool de la PS2, Frey, je trouve. Alors, moi, la PS2, c'est clairement comme ça que... Tout le PS2 que j'ai pu faire dans ma vie, c'est comme ça que j'ai... Quoi, tu vois. Une caméra à s'en taper le cul par terre. Ça fait plaisir. Venir. Vraiment deux de cul. Non mais c'est normal. Hein. L'araignée encore, tu peux te les faire facilement, mais... Les moustiques ? Pas si facile. D'où ?
Oh merde! Bon, c'est pas grave. Oh, mais là, t'es à côté, littéralement, bro. Fais une petite nage. Plus bien que tu saches pas nager, mais quand même. Nage, bro. On va presque rattraper le niveau. Ouais. Je sais plus où je vais. Plus où je vais avec cette cam, je sais plus où je vais. D'où j'ai loupé déjà? Non, c'était plus loin. C'est plus loin que j'avais loupé. Bon. Wouhou. Non. Salaud. C'est pas grave, j'ai toutes les bouteilles. C'est bon, c'est ok. Il y avait un mini checkpoint avant. Parfait. Bon. Là on a juste un rush. On va pas le respecter, on va juste se dépêcher. Un petit peu reculé, mais c'est pas grave. Voilà, on ne respecte pas. Tu nous as touché avant, bro, c'est juste parce que je collectionne des bouteilles de vin. Et que je ne suis pas alcoolique. Hop là. Pour l'instant ça va. J'ai encore le droit. Je pense que j'ai encore le droit de me viander une fois. Ouais c'est bon. Par contre je l'ai pas du tout vu. J'ai pas du tout vu la... la caisse pour le... pour la recette. Elle est par là. Ah oui, elle est en face de moi, je suis. Alors j'aimerais bien mais... Parfait. C'est 4-4-4. 4K. Oh, le code. 4-4-4. Let's go! Ça va bien, merci, Véloniste. Même que j'y pense, que tu peux à Rayman 2 et 3. Par Rave. C'est cool, Rayman. Non, Ubisoft. Je pense que seuls les Coopers savent nager. Ouais, bah ça veut dire ça, ouais, exactement, Lino. Il est écrit seul Cooper peut vaincre la nage. Seul Cooper peut vaincre Ganon. Eh, let's go. Par contre, j'ai pas du tout compris ce qu'il m'a dit. J'étais en train de parler et je lisais pas. Je sais pas ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné quelque chose. In, est-ce qu'on a gagné? Merde, mais j'aurais pu aller depuis. Ah non, le dessus. Ok, donc première map faite. Hop. Luman. Il y a un truc à tirer. Man. L'action de la mort. Signe de duplication. Ça c'est cette technique que m'a apprise Naruto. Un ninja de Konoha pas connu. C'est quoi cette chose? Ça sent le mob qui est récurrent, hein. Pas une blague pour dire une brosse à chiottes. Ça a l'air très récurrent. Non, c'est paranormal, ok.
bar. Des bouteilles, pas de bouteilles. Libre Naruto Cooper, je le connais bien. Ah bah oui. Dame. Ok, c'est les pierres tombales, le spawn. Très bien. Ok, les pierres. J'étais à se taper des fantômes. Au secours, le flash! C'est aveuglé. Et dire qu'on en avait peur, lui, à la base. Maintenant, je fonce juste dessus comme un gogol. Hein. 40 bouteilles à récupérer, j'avais pas vu, par contre. Allez, c'est un crocodile en bois, ça. Une bouteille! C'est bon! Enfin, ça fait une cinquième vie en plus. Alors, là il y a des bouteilles. Oh la chatte! Oh la chatte! C'est timé, bien sûr. Ah ouais, ça pop quand même. Il y a quand même beaucoup qui pop là. Oh. Encore un? Encore un caillou? Ah oui, encore un caillou. On rappelle, hein, les charreaux dans le métro, hein. Ils sont toujours là dans... Partout, partout. N'importe ce qu'on fait, il y a toujours les charreaux du métro qui sont par là. On peut pas vivre, hein. Merde. Ok. Bah, il y aurait pas une petite... Et qui traînerait dans le coin. Bien sûr, j'ai perdu mon truc. Bah, de toute façon, il mourra. Oh, une petite life. Ah, c'est des lasers. Bon, je refuse de croire qu'il n'y a pas une bouteille à casser. Hein. Je vais suivre, je vais faire tout. Comme les gens qui stressent quand ils font leur permis de conduire. Faire un tour du rond-point. Faire un tour de rond-point pour vraiment être sûr de là où on doit sortir. C'est bon, on est sûr. Le pilote a vérifié, on peut partir. Moi je me suis fait chier que celui d'après était plus simple. Bon. Pour le style bien sûr. Flex. J'ai l'impression qu'il y avait une bouteille. Hein. Bouteille. Hop hop hop. Ah c'est les alarmes du... Ouais les lasers. Ion. Franchement. Si je vous mène animaux et que juste on a des passages où Sly court comme ça, me dites pas qu'il y a une Aspi Naruto. Me dites pas qu'il n'y a pas une Aspi Naruto. Il y a totalement une Aspi Naruto. Non, je déconne, juste il court comme un ninja quoi. Merde! Faire l'imbécile. Et je l'ai à moitié des bouteilles, c'est cool. Papa, papa. Comment on a fait de me retourner à la fac? Ah. Rien.
Oh putain! Bon, ça va, on sait où est la pierre. Et juste en face. Ça, on le fait mieux. What? Je l'ai pas touché là. Ah, désolé, frère. Après, bon, j'ai envie de te dire. La fac, c'est... peut-être c'est pas ouf pour toi. Mais tu pourras enfin. Nous rejoindre en vocal et jouer avec nous. Donc, bon. Il y a des bonus et il y a des malus, quoi. Tu peux pas choisir ce que tu veux, malheureusement. En plus, de la bêta New World commence le 9 septembre. Ouais. Après, la bêta... alors, c'est pas une bêta, hein. J'ai dit, il y a pas longtemps, j'en parlais, mais c'était pas en stream. Je me suis fait pépon. Et c'était pas du tout agréable. Concernant cette bêta de... C'est des weapon de feu. C'est pas vraiment une bêta, c'est plus un crash test qui a été dit. Parce que le jeu, ouais, je sais pas, faire une bêta sur deux jours, sur un week-end, soit c'est un suicide commercial, ou plus, soit il y a autre chose derrière. Et moi, à mon avis, comme l'ont dit la plupart des gens, c'est juste... C'est juste un crash test pour voir si les serveurs y tiennent ou c'est comme avant. Voilà. C'était une blague! Putain, mais non, c'est de la merde, les moustiques, au secours! Yo, Sans, tu vas bien? Donc, ouais, concernant ça. Merde, les moustiques. Et toi? Oh, très bien, merci beaucoup. Donc moi j'y jouerai pas pendant la bêta, je pense, parce que bon, un week-end, on sait même pas si la bêta... En fait le problème c'est qu'on sait même pas si du coup, c'est une bêta qui va nous permettre de sauvegarder au moins notre... Si on peut sauvegarder notre progression, peut-être que j'y jouerai. Et si on peut pas sauvegarder sa progression, laissez tomber. Moi je ne... pas la bêta parce que si c'est pour farmer un week-end et puis avoir de trucs sauvegardés, ça m'intéresse pas du tout. Il y a d'autres trucs sur lesquels j'ai un peu tryhard, donc oh j'en ai deux du coup. Oh let's go, deux oh. Izu! Allez, ça dégage le moustique. C'était sûr, j'ai senti venir à 10 000 mètres. Content d'avoir eu mon truc, hein, quand même. Hein. La clé, elle est déjà là? Oh non, mais... Oh, on a loupé 7. Bon, ça va, après, c'est... Ok, à la fin, d'accord. On va avancer, hein, vous inquiétez pas, on va pas revenir en arrière. On va... Oh, quoi, peut-être que là, je peux trouver les... Cette dernière. Ah non. Il en manque 3. Eh ben, vous savez quoi, on ira check ça... Tweet. C'est de New World, bien sûr. Ah oui, c'est un crash test, clairement, histoire de compter le nombre de CG30X qui vont cramer. Bah c'est ça, ouais, clairement, frère. Je sais où. Ah ouais, bah, tu nous diras. Si jamais je trouve pas après, tu me diras. Allez. Au moins, on a trouvé la clé. Alors. Là, je peux débloquer normalement la partie là-bas. 3 clés. Pas de conneries. C'est ça. Et là, je pense qu'il va me péter la suite pour que je puisse continuer le niveau. Ah, exactement. Toujours un truc violet en haut, je sais pas si vous voyez. Je peux pas y aller, ça me bloque. Donc, à voir si plus tard je peux y aller. Enfin, ouf. Avec mon père, on teste.
faire, on teste la bêta d'un jeu de sport dont j'ai oublié le nom par Ubisoft. Ah, le nouveau là ? Tu fais Riders Public, c'est ça, un truc comme ça ? Ouais, c'est ça, Riders Public, qui c'est ça. Exactement. Et bah si jamais, Riders Public. En débloquant le couvercle du chaudron, je pourrais fouetter la substance qu'il contient et faire monter la pression. Fouetter la substance. Propulser dans le temple de Miss Ruby. Ok, nous avons donc un plan. La deuxième partie de la map. Approche-toi de ce truc en passant par les ombres des masques pour ne pas te faire repérer. Du coup, ouais, il y a Antoine Daniel qui a fait un... Il en a fait un live il y a pas longtemps. Live Sponso. C'est assez intéressant, en vrai, le jeu a l'air vachement cool, hein. Il a l'air bien réaliste, bien comme il faut. Attends. Tu vois, il est où ? Ah, putain, j'ai loupé un niveau. Et ben un niveau là-bas, bon, c'est pas grave. Oh ! Le scooter ! Let's go ! Ce véhicule semble être alimenté par une sorte de canon haute tension. Dirige-le avec le joystick analogique gauche et vise la cible avec le joystick analogique droit. Tu peux tirer dans une direction... Who's spinning me around right now, na 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 na. Bon là y a pas de... Bon. Y a pas de truc style ramasser les bouteilles, donc pas se prendre la tête. Quoi? Genre je l'ai pas touché. D'accord, bon d'accord. Ok. Non mais c'est important de bien rencontrer tous les mobs parce que je les connais pas tous. Voilà. Non mais là on est en phase de découverte de mobs. D'ailleurs tourne en bougeant tes sticks pour déplacer Bethlehem live quand il te parle dans ton vidéo call. Ah ouais ? J'ai ça, jamais testé. C'est les meilleures techniques ? Ok. T'as pas l'air de marcher beaucoup, hein. Ouais, ça marche beaucoup, ouais. Trop bien. Allez. La suite ! Je l'ai pas vu. Bon alors il est très discret, bien sûr. En fait je vous ai menti. Il est discret. Le roi des voleurs après. C'est le roi des roublards. Et en concurrence avec comment ça s'appelle déjà ? Quel vrai gros début là ? Cookie Smith ! Très bien. Moi j'adore. Ah franchement c'est cool là. Moi j'aime bien le jeu là, il est sympa. C'est un petit mini-jeu de corps. Oh, dans les jeux. C'est bon. Ils ont voulu me faire paniquer, mais en vrai, ça... Joystick. Joystick. Non. Marche pas. Ah, mais non, dans mon binocle. Je suis dans ma... Dans mon drone. Ouais, je viens de comprendre, Link, que j'étais un petit peu con. C'est bon.
comme déjà dit auparavant, peut-être con, mais pas moche. Non! C'est pas grave. Allez, on fonce! Ou pas! Quand même, hein. Je peux plus avancer. J'avance. Pas dire ce qu'ils vont me faire, mais ils vont me mettre pas bien. Ok. Ok, 2-1, enfin. On y arrive. Promets, on y arrive. Je tirerai pas, mais. Difficile de perdre du poids? Ah ouais. C'est pas facile de perdre du poids. Après on a des... On a tous des... Comment? On a tous des... corpulences différentes et des morphologies différentes, ce qui fait que c'est moins facile. Enfin, tout dépend... dépend de la personne. Alors faut juste que je fasse le premier niveau que j'ai skippé. Hein. C'est l'entrée. L'entrée, ça. Ouais, c'est ça. Ah ! Mais non 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 ! Putain ! Non ! Carte ! Ouais mais non mais... Attends mais je suis con. J'ai juste à faire ça. Voilà. On revient en arrière quoi. Il y avait... Ouais le monsieur. Oui, il est ici. Eh bien. Même là. Parfait. Le cordon bleu. Après c'est déjà bien hein. 11 kilos c'est déjà beaucoup hein. Mine de rien. Rien qu'à voir le... Bien cool, j'ai envie de te dire, Kismi. Je sens que je vais faire une crise d'urticaire, mais nous n'avons pas le choix. Parle des contrôles des axes, il n'y a pas le temps de suivre les actions. Et m'a proposé un marché. Je vais après au cimetière pour mettre des... Si tu parles d'accord, bien à décapiter 50 poules... 50 poules ? Décapiter 50 poules ? Horrible, le changement de sujet entre les feux pour le papy et décapiter 50 poules. Suite du sujet est quand même incroyable. Les poules, les poules, les poules, les poules, les poules. Les poules. Salaud qui voulait ma mort. C'est un coq qui voulait me voir mort. Il a même pas réussi à m'exploser le cul. Non ! T'es mort, mais non ! Comment ? 1 minute 30, en vrai, ça devrait suffire. Je suis sûr que je le tape avant. Je suis sûr que je le tape avant qu'il explose.
Au secours, le jeu, sois sympa. Gros, sois sympa avec moi. Ça va vite, ça va vite. Vous des petits guides là. Non mais hein, la raccoon avec tes putains de savonnettes à la place des pieds. Bah ça. Un peu pop l'autre côté, on peut y aller maintenant. Oh, c'est un peu pop. Hein. Ah, horrible ce qu'on fait aux poules quand même, hein. On les décapite. Ok. Et là, on plaisir en décapitant des poules. Tel un concert de Marilyn Manson. On prend du plaisir à décapiter des poules. Ah, quand les poulets avec des bombes. Ouais, faut vraiment qu'ils s'explosent entre eux quoi. Je pense pas que je peux les péter de manière edgy avant qu'ils arrivent sur moi. On n'a rien vu. Oh les poupoules là, il y en a 5 là-bas. Mais pute, il sort au moment où je viens dessus, putain! Jeu de merde! Mini-jeu de chiasse! C'est la grande chiasse ultime! En plus de taper tous les putains de recoins de chaudron alors qu'on n'est pas à côté, on se tape des spawns de mobs, mais les plus horribles que j'ai jamais vus! Il y a des poulets qui est bien plus intelligente que la plupart des trois quarts des jeux du 21ème siècle, hein, je tiens à le dire. Quand tu lui cours après, elle fait le tout. Explose, très bien. Allez, explosez entre vous. Oh, vous voulez pas exploser? Pas passer loin je crois. Allez. 5. Go, trop facile ce jeu. Franchement, mettez-moi du challenge, merde! Putain, mais quoi que tu veux dire? On l'a eu. Y'a pas de test dans le binocom? Non, j'ai pas encore testé. Ça, il travaille aussi au KFC. Et après la décapitation, le gavage de loi. En fait. Savez-vous si Discord est sur PS4? Ah, genre si t'as une application Discord sur PS4, sur le PSN? Alors, bonne question. Ok. J'ai dit les niveaux avec juste une clé. Effectivement, ils sont... Pas plus 3 en tout cas. Ok, mais j'ai quand même pas toutes les clés qu'il me faut. Il m'en manque. Il m'en manque. Ok, mais de toute façon, c'est la fin de l'épisode, les potes. Il est l'heure. Profite qu'il bug avec l'animation. Pour vous souhaiter. Merci déjà pour d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et à partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et de rien, ça aide aussi à la visibilité. Merci beaucoup d'avoir regardé encore ce let's play. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. A très bientôt.